Ok, les potes, bienvenue pour la petite boutique de ce soir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez rushé, que vous avez fait, enfin bref, ce que vous avez fait le week-end, reposé, etc. Bref, on va passer du coup à la boutique de ce soir. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Eh bien, on va bien voir ça. Hein. Moi, alors, toujours les skins footballeurs, mon ami va être encore là. Voilà, logique. Bon, je vais pas vous le remontrer encore. Les 5 skins féminins et les 5 skins garçons. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai voté pour ce skin-là. Je trouve que les filles, ils ont une tête bizarre. Je sais pas si... Enfin, beaucoup de mes amis ont dit qu'ils avaient une tête de drogué. Enfin, sans qu'ils le soient, bien sûr. Hein, c'est juste leur tête, je sais pas, leurs yeux sont bizarres. Du coup, je préfère les skins garçons. Leur coupe de cheveux me plaise plus. Enfin, bref. Du coup, on a quoi d'autre? On a le retour, le skin guitariste. Ok. Pour 2000 V-Bucks, le petit skin. Ah, il est trop stylé ce skin, j'adore ce skin. Avec sa guitare qui est du coup en couleur rose et en couleur verte, bien entendu. Ensuite, nous avons le retour du petit skin tacos, version féminin pour 800 V-Bucks. Nous avons le revêtement. Alors, ce revêtement, il sort tout le temps. Dans le sens où il sort assez souvent. Mais le skin qui va avec, jamais. Alors que normalement, le skin est dans un pack. Peut-être qu'un jour, et puis ils vont décider à le remettre, je ne sais pas. Le petit skin revêtement, j'aime bien en plus 300 V-Bucks. Pour se procurer le retour, la danse en sens lent pour 800 V-Bucks. Ensuite, nous avons également la petite danse. Bien sûr, la musique est copyright, donc je ne sais pas, vous n'entendez pas. C'est à cause de YouTube, malheureusement, que je ne peux pas mettre les musiques qui sont en droit d'auteur, alors même si je ne suis pas payé par YouTube, on n'a pas le droit, nous, sinon ça fait des circulations de la chaîne, donc c'est pas très bien. Bref, 500 V-Bucks pour se la procurer, le vient par là, pour 200 V-Bucks, et du coup on est bon. Ah, pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai mis le maillot actuel, en fait je connais rien au foot, mais pas vraiment les équipes américaines, juste que j'aime bien la couleur. J'essaie tous les maillots que j'ai, je les ai essayés, j'en ai mis déjà 5 aujourd'hui, j'essaye... Genre plusieurs games, je change de maillot de foot. Voilà, donc en vrai, j'ai pas d'équipe préférée. Donc toujours disponible, bien sûr, leur ensemble de danse. Célébration, du coup, on me l'a offert, cette danse-là. On a également celle-ci, que du coup, je me suis acheté hier. Jolie jeu de jambes, j'adore, j'arrête pas de la faire aujourd'hui. Je la trouve kiffante. La danse que j'avais déjà, une des premières danses que j'avais achetées à l'époque quand je suis arrivé à la saison 4. Pour 500 V-Bucks. On a également le retour de carton rouge pour 200 V-Bucks. On a aussi la corne de brune pour 200 V-Bucks. On a toujours disponible le petit pack. Ah oui, j'ai oublié de vous dire hier en plus. J'y ai pensé après avoir fait la boutique. Que le dernier jour, ça a été aujourd'hui pour le skin The Greg. Il sera plus ce soir. Comme vous pouvez voir, il est plus. J'ai oublié de vous dire ça hier. Hein. Je me suis rappelé après avoir tourné la vidéo et la mettre sur ma chaîne. Du coup, bon, c'est pas grave. Mais bref, de toute façon, vous le savez. Je vous l'avais dit plusieurs fois dans la semaine. Que ce week-end, ce sera le dernier jour. Après, il n'ira plus à partir du dimanche soir. Donc, voilà. Donc, ce pack là va rester aussi pendant quelques jours, aussi comme l'autre. Du coup, le petit pack de Terminator. Ensuite, nous avons le retour du skin. Alors là, c'est les skins diaboliques. Hein. Le petit tyran pour 1500 V-Bucks. J'adore ce skin, franchement, il est trop stylé. On a également son planeur qui est aussi super stylé. Bon, malheureusement, je joue pas beaucoup avec le planeur assez imposant. Mais en vrai, je me le serais acheté sinon. Parce que j'ai un planeur que j'aime bien en vrai, ce planeur. Il coûte 1500 V-Bucks quand même. C'est un des rares planeurs légendaires qu'il y a. Il y a de plus en plus de planeurs légendaires, mais il n'y en a pas tant que ça, n'empêche. Le petit skin, alors ça c'est la première qui est sortie de la série. 2000 bucks pour se procurer, le skin féminin est plus cher que le gars, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, bref, le petit skin succube. La petite double pioche qui va avec le skin garçon, si je ne me trompe pas, pour 800 V-Bucks. Ça c'est la pioche de la fille, bon, je l'avais déjà. Forcément, je l'avais acheté la saison 8, je crois, à l'époque des pirates qui étaient sortis. Le skin féminin était sorti bien avant que le skin garçon. Pour 1200, on a également le revêtement. Lui, par contre, il va avec le skin garçon. Il était sorti à la même période que le skin garçon. Ok, normalement, on est bon. Le retour du skin Sangoon. Normalement, c'est des skins qui sortent plutôt vers l'époque où il y a le volant chinois. Mais bon, bref, c'est pas grave. 2000 bébés pour se procurer. Sa pioche. Ah, je crois que je l'avais, la pioche, mais apparemment, je l'ai pas. Je crois que je la voulais, mais à chaque fois, ça ne fait jamais, en fait. Je l'aime bien, la pioche. Ouais, je sais pas si je me l'achèterai ou pas. Je vais réfléchir. Du coup, le petit skin inné aussi, de retour en boutique avec toutes ses customs. Je vous montre rapidement pour ceux qui ne se rappellent plus à quoi ressemble. En vrai, le skin est vraiment pas mal. C'est un skin que j'aimerais bien l'acheter un jour, mais il coûte quand même 2000 bucks et je viens d'acheter
les skins footballeurs hier, donc je peux pas tout acheter. Mais c'est un skin qui me plairait vraiment à avoir un jour. Ensuite également, c'est la pioche, parce que elle, par contre, je l'avais déjà. Enfin, c'est celle-ci que j'avais déjà, du coup. J'aime bien la pioche, donc elle est super stylée. Ensuite également, le retour. J'ai un pote qui l'appelle le skin Barbie, parce que bah, elle ressemble un petit peu à la tête du Barbie, en vrai. C'est, ou citron vert, il l'appelle citron vert aussi. Il va se reconnaître si on regarde la vidéo. Du coup, le petit skin coûte 1200. Moi, je l'ai en plus, ce skin-là. Ça va, tu manges, j'ai pas joué avec elle, mais c'est beaucoup de tryhards qui jouent à ce skin. Et quand t'as ce skin-là, genre, ils vont croire que t'es un tryhard, donc ils vont vouloir plus te buter, en fait, du qu'autre chose. Donc, j'évite de la mettre en gamme normale, ce skin. La petite pioche, du coup. 500 V-Bucks. Son planeur, 800. Et pour finir cette boutique, on a également le retour de la guerrière de la de plastique. Pour 800 V-Bucks avec ses 3 customs, donc c'est plutôt rentable. Et également en version garçon également, le petit soldat. Qui est aussi à 800 V-Bucks, bien sûr. Avec ses 3 customs. Et normalement, on a le revêtement aussi. Ou ils l'ont pas mis ici, ils l'ont mis, ok. Le petit revêtement, 400 V-Bucks. Donc il y en a 3. Comme bien sûr, pareil que pour les skins, 3 couleurs. Je vous montre rapidement. En vrai, couleur orange peut être pas mal. Parce que ça change un petit peu les autres couleurs. Il y en a plus. Mais le orange, voilà, on dit, c'est marqué rouge. Mais moi, je vois orange. Alors, je sais pas si vous voyez orange aussi. Dites-moi en commentaire pour ceux qui regardent toute la vidéo. Est-ce que vous voyez rouge ou orange? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est orange que rouge. Mais bon, c'est mon point de vue. Du coup, on est bon pour cette grande boutique. Parce qu'elle est quand même assez grande aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Très important. Et mettre le petit code créateur. Si vous souhaitez le mettre, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, bon lundi. À demain. Ciao, bye.